Salut tout, salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout simplement un truc qu'on a passé depuis très longtemps hein. La salle d'ailleurs, on attend un petit épisode. Il faut que tu fasses un épisode sur ta chaîne, mais je sais pas sur quel thème. Donc aujourd'hui c'est le thème Saint-Valentin, donc top véhicule de la Saint-Valentin. Donc on va voir ce que les babons nous ont préparé. Donc c'est simple, faut qu'ils décorent le véhicule en Saint-Valentin. Donc c'est à vous de voter entre 1 et il y a combien de participants? 1 et on est 12, donc 10, parce qu'il y en a qui sont fait un véhicule à 2. Donc il y a 10 participants entre 1 et 10, à vous de voter dans les commentaires. Écoutez, on va commencer par le premier de la liste. Donc c'est Kosla, tu peux venir. Donc c'est à vous de voter dans les commentaires entre 1 et 10, je le rappelle. Et le premier véhicule, donc c'est Kosla. Alors c'est la Sabre Turbo, donc véhicule dans le thème de la Saint-Valentin, donc rose et blanc, c'est ça. Alors dis-nous un peu plus sur ton véhicule, pourquoi les gens devraient voter pour toi? Alors, parce que c'est un véhicule assez spécial. Ouais. Qui est pas mal. Avec une petite en passager, ça peut être pas mal, quoi. Voilà, donc. Donc là, si tu avais à ramener ta copine, tu prendrais ce véhicule. Bon, plus si j'étais aux États-Unis, mais en vrai, c'est pas mal, quoi. D'accord. Ok, premier véhicule, bah écoute, on peut passer au second véhicule. Donc t'es pas validé par Dinaz, hein, pour l'instant, Dinaz il ne vote pas pour toi. Alors, le deuxième véhicule, ça va être du coup Exos, s'il te plaît. Exos. Exos, où es-tu? Exos. Et bah Exos. Ouais. Oh, je vois qu'on aime le rose. Le rose, la couleur de la Saint-Valentin, mais je rappelle que le rouge aussi, c'est la couleur du cœur. La couleur magnifique. Alors, deuxième véhicule. Donc c'est un véhicule de type véhicule. Alors il y a la salle qui participe également, hein, mais la salle nous a préparé aussi quelque chose. Alors donc c'est quoi comme 4x4 Landstalker XL. D'accord, donc on a ce véhicule avec le thème un peu thème Louis Vuitton comme ça, je dirais. Franchement j'aime bien, ça va, il est stylé. Il est déjà mieux que le deuxième pour ma part. Après bon voilà, je vais pas spoil non plus mon classement, mais déjà il est pas mal. Ok, au suivant, du coup, c'est Sébastien. Sébastien, je sais pas s'il nous entend. Sébastien. Je suis là. Ah voilà, Sébastien, il est là. Oh, alors Sébastien. 4x4. Catastrophique, Sébastien. La salle, t'as vu ou pas? Bah ouais. Alors lui, il s'est pas cassé la tête. Il a volé un véhicule de Penji, c'est ça? Oui. Voilà, bon après voilà, il a... Sébastien, je crois que t'as pas les moyens, c'est ça? Ou si, peut-être qu'il a les moyens. Non, je sais pas. Si. Il a les moyens, mais disons qu'il a fait simple. Donc voilà, c'est le véhicule 3. Si vous aimez les trucs simples, eh bien vous pouvez voter pour Sébastien, le numéro 3. Eh bien écoute. Ah ouais, d'accord. Non, c'est pas fait. Il est stylé. Sébastien, numéro 3. Et franchement, moi j'aime bien. Moi j'aime bien Sébastien. J'aime bien. Alors, on va passer au suivant. Donc, c'est la salle. Alors, la salle, qu'est-ce que tu nous as préparé? Oh. Alors, c'est un véhicule militaire, hein, c'est ça? C'est quoi comme véhicule, ça, la salle? Je me rappelle plus le nom. Le Mammoth Patriot. Mammoth Patriot, donc version, bah, encore une fois, on a du rose et du blanc. Et on a également du rouge. Et là, c'est le premier véhicule qu'on a avec du rouge. Donc, c'est vrai qu'on oublie quand même que le rouge, les gars, c'est un truc important à la Saint-Valentin. Parce que le rouge, c'est la couleur du cœur. C'est la couleur de. Bah, c'est la couleur du cœur, quoi, je veux dire. Donc, c'est vrai que c'est très important. Et bien, écoute, on voit également les jantes en rose. Hein. Également, ouais. Et on voit aussi. Attends, parce que c'est pas fini. Dis-moi. Oh, la fumée en rose! Ça rigole pas. Et bien si vous voulez voter pour la salle, c'est le numéro 4, les gars, dans les commentaires. Numéro 4 pour la salle. Et bien écoute, on peut passer au suivant. C'est bon, on a vu la fumée. C'est bon. T'es un forceur. Et bien suivant, ça va être on va laisser les deux gogoles pour la fin. On va passer à Nassim. What? Ah ouais, dégueulasse. Alors Nassim, je crois qu'il a mis la tenue Saint-Valentin, mais pas la... Je crois que t'as mis les habits de Saint-Valentin, mais t'as pas mis le... Attends, mais c'est quoi? Me dis pas que t'as mis des couleurs roses, là, ton truc. Ah ouais, il est de couleur rose. Attendez, je vais mettre en première personne. Ouais, il est bien de couleur rose. Ok.
Eh bien, écoutez, c'était. Ouais, voilà. Hein. C'est le numéro 5. Si vous voulez voter pour Nassim, numéro 5. On va passer au suivant. Let's go. Suivant. Suivant, c'est Ayman. 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 Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, vécu suivant. Ouais, hein, je crois qu'il a. T'as pas le level pour avoir la couleur rose, hein, ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Bah écoute, franchement, vraiment vite fait, je vais pas te mentir que là, si vous voulez voter pour lui, c'est numéro 6. On a du rouge, ouais, mais c'est vrai que la couleur, je sais pas c'est quoi comme couleur qu'elle a choisi, mais c'est dégueulasse, hein. Bon, bah écoutez, c'est numéro 6 si vous voulez voter pour lui, mais pour ma part, c'est pas validé. On l'évacue. Waouh, ouais, vous m'avez évacué en même temps. Voilà. Prochain véhicule, bah écoute, c'est Manon. Manon, bah je sais pas si elle m'entend, Manon. Manon, Manon. Non, Manon m'entend pas, je crois. Donc on va passer à Adelin. Ouais, j'arrive. Si elle est là, Manon, elle est là, elle arrive. Ah bah. Ah, elle arrive, Manon. Bah j'attends, n'importe, hein, Manon ou Adelin, comme vous voulez. Ah. C'est bon, elle est là. Voilà, alors Manon, véhicule rose, donc c'est les Rose nouveaux véhicules. cassée. Rose quoi? Rose cassée, non? Rose cassée, et eh bien écoute, oui, le véhicule est cassé, ça c'est sûr. Les vitres sont cassées. Ben écoutez, c'est un. Franchement, j'aime bien le véhicule parce que tu vois, c'est un petit véhicule quand même qui fait. Vous voyez, décapotable, ça fait un peu Saint-Valentin, tu vois. La petite valise derrière pour l'hôtel, etc. C'est sympathique, c'est original. J'aime bien. Donc voilà. C'est Manon. Si jamais vous voulez voter pour elle, c'est le numéro 8, c'est ça les gars? On est au 8 là? Ouais, 8, puisqu'après. Non, 9, non, c'est 8, hein. La salle, c'est combien là? Là, ça c'est 4 et puis c'est 8. 8, je crois. 8. Ok. Adelin. Ouais, j'arrive. Je crois que c'était pas lui, je crois que c'était le. Si, c'était le 8. T'étais combien toi, Iman? T'étais le 7 ou pas? Je me rappelle plus. J'étais 6, moi, je crois. 6, donc c'était 7, Manon. Donc le numéro 8. Ouais, c'est ça. Le numéro 8 ici, donc c'est Adelin, qui a choisi également les nouveaux véhicules du DLC Cayo Perico. Véhicule de couleur rose. Juste du rose, c'est tout? Ouais, juste du rose. D'accord, et ben voilà, si vous voulez voter pour lui, c'est le numéro 8, les gars. Bon, si jamais je me suis trompé dans le numéro, voilà, vous votez de toute façon à chaque fois, c'est plus 1. C'était Adelin, et on va passer à la buse. Et ensuite, on finira avec les deux demoiselles qui ont fait un véhicule à deux. Alors, la buse, la buse, la buse, qu'est-ce qui nous a fait la buse? Oh, coquine! D'accord, alors dis-nous-en un peu plus sur ton véhicule, la buse, pourquoi une limousine? Bah parce que moi, à la Saint-Valentin, je vais chercher ma meuf avec une limousine. Voilà. D'accord, toi, quand t'étais que la Saint-Valentin, c'est tu vas chercher ta meuf en limousine. Voilà. Voilà, effectivement, Avec le champagne à l'arrière c'est un et choix tout. original, c'est un choix original. Peut-être que tu feras partie des top véhicules, on verra bien. En tout cas, c'est le numéro 9 et on va passer au dernier véhicule, la salle. Dernier Dernier véhicule. véhicule, ouais, dernier véhicule. Alors, si vous pouvez juste vous remettre l'autre côté, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous remettre l'autre côté que je fasse la miniature? Chacun une place de parking, s'il vous plaît. Et on finit avec le dernier véhicule, allez-y. En attendant, vous pouvez vous placer pour la miniature. En même temps, je choisirai les trois préférés. Alors, dernier véhicule. Oh. Ah, ça, j'aime bien ça. Alors, oui, ça, c'est. Ça, c'est sûr que oui, là. C'est sûr que c'est pas mal. Alors, du coup, Maë et Julia. D'accord, hein, c'est un véhicule très. Enfin, très original, j'ai envie de dire. Mettez-vous côte à côte, enfin, un de chaque côté. Alors, on voit qu'on a la tenue également avec. Hein. Ah, c'est. Ouais, c'est. La salle, t'en penses quoi, toi, si t'avais un avis extérieur? Est-ce que tu les as payés pour leur parler? Ok, et eh bien écoutez, pas mal, j'aime bien. Donc c'est le numéro 10 si jamais vous voulez voter pour Maï et Julia qui ont fait un duo ensemble. Donc c'est numéro 10. Bah vous pouvez vous replacer. Alors j'aime bien le véhicule. Comment ils se sont soulevés?
Alors, attends, commencez pas à faire n'importe quoi, je vais choisir mes trois préférés. Alors, on va regarder les véhicules. Alors, en dixième position, on va mettre pas forcément le karting, hein, dixième position. Neuvième position, ici. Huitième position, ce sera ici. Septième position, la limousine, septième position. Sixième, sabre turbo en sixième. Ensuite en cinquième, qu'est-ce qu'on a de bon en cinquième. Non, attendez, il en reste combien là? Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5, il en reste 5. Cinquième, ça va être le 4-4 ici. Ok. Alors ensuite, quatrième position. Là, ça commence à devenir un peu plus serré. Alors, quatrième position. Quatrième position, je mettrai le 4-4 là. Voilà, ici. Ensuite, on arrive dans le top 3. Donc, il reste la salle, les deux filles et Manon ici qui a un très beau véhicule également que j'aime bien. Alors, c'est vrai que là c'est compliqué, hein. Top 3. Alors, en troisième position, je vais mettre les filles. C'est un beau véhicule, mais disons que. Voilà, elles ont fait des tenues. Elles ont essayé de nous attirer la salle. Elles ont essayé d'attirer le jury avec des tenues sexy. Et du coup, on arrive au top 2. C'est vrai qu'elles ont essayé de. Alors, on a la salle et Manon. Donc, les deux favoris. Donc, s'ils peuvent s'avancer, Manon. Attends, je vais avancer son véhicule. Manon, avance le tien, la salle. Attends, je vais Alors, pour ma part, avancer. c'est les deux là. Après, si vous avez voté autre chose dans les commentaires, vous pouvez. Alors j'aime, franchement je kiffe trop son véhicule parce que c'est trop original. Mais tu vois, ce qu'il faut dire quand même c'est que la salle il a choisi le rouge, ce qui manque dans les véhicules. Donc on va demander, moi personnellement Attends deux secondes, je peux pas parce que voter. depuis tout à l'heure, je fonce sur tout le monde. Ah tu vas le changer. Ouais, il y a du Moi sang, il y a. personnellement je peux pas voter, vraiment. Parce que c'est compliqué. Parce que j'aime bien celui-là, parce qu'il est beau, il est original et ça fait bien avec la petite valise et tout. Donc, on va mettre un véhicule dans chaque carré. Donc, tu peux le mettre dans le véhicule dans le carré là-bas. Moi, je vais mettre le véhicule dans le carré là. Et tout simplement, dans la session, vous allez dans le carré de celui que vous voulez qu'il soit gagnant de cette vidéo. Donc, allez-y, mettez-vous dans le carré. Dans celui que vous voulez voter. Allez-y, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ah ouais, c'est mitigé. Allez-y. Il en manque encore, les gars. Exos. Sébastien qui va à l'autre côté. Alors, attendez, ne me dis pas qu'il y en a 5. Oh! Attends, mais c'est. Non, mais il y a 5-5 là, la salle. Hein. Ah non, 6-4. Six. Attends, oh, Nassim, mets-toi dans ton côté. Voilà, 5-5. Eh bien, écoutez, c'est à vous dans les commentaires de départager qui a le plus beau véhicule. Vous votez entre La Salle et Manon, du coup. Voilà, moi je peux pas départager, j'aime bien les deux. Mais j'ai quand même une petite préférence ici. Après, à vous de voter dans les commentaires. Sur ce, les gars, La Salle, t'as un petit mot à dire pour la fin? Eh ben, ce fut un Rick and Barrens.